Le comité des États membres de l'UNESCO réuni à Riyad, en Arabie Saoudite, vient d'approuver l'inscription du patrimoine de l'île de Djerba sur la liste du patrimoine mondial. Je tiens donc à féliciter chaleureusement la Tunisie et tous les Tunisiens, à commencer bien sûr par les Djerbiens, qui ont œuvré en ce sens. Je sais que le chemin menant à cette inscription a été long et tortueux, et je suis certain que la joie et la satisfaction n'en seront que plus fortement ressenties. Ce bien en série est constitué de 7 zones de l'île et de 24 monuments. Il représente un témoignage exceptionnel d'un schéma de peuplement unique et d'une adaptation humaine remarquable à travers les siècles, aux contraintes d'un environnement marqué par la rareté de l'eau et de nombreuses menaces venues de la mer. Avec cette inscription, Djerba devient ainsi le 9e site tunisien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La dernière inscription était en 1997, il n'y a donc pas moins de 26 ans. Il s'agissait du site archéologique de Douga,